On a mis en place ce projet parce que bon, apprendre une langue, apprendre l'espagnol, c'est aussi découvrir sa culture, découvrir donc l'Espagne, mais aussi découvrir l'Amérique latine. En cinquième, les élèves ont découvert le Mexique à travers la fête des morts. En quatrième, ils ont commencé par l'Argentine. On a vu les grandes distances en Argentine, que certains élèves allaient à l'école, par exemple, à cheval. Et donc là, la suite, c'était le Costa Rica. Le Costa Rica avec deux intervenants, avec Victoria que je connais depuis longtemps, que j'ai aidée au moment de son bac. Elle a fait ensuite ses études en Espagne, puis au Costa Rica. Elle est revenue suite au Covid parce qu'elle a perdu son travail. Elle est revenue pour quelques mois. Donc c'était l'occasion de la faire venir dans mes cours et donc de travailler avec les élèves sur le pays, sur le Costa Rica. Ils ont pu apprendre des notions donc lexicales, de vocabulaire comme sur la faune, la flore, les animaux, etc. Donc c'est une belle expérience pour eux. Les élèves ont pu poser des questions et puis donc les intervenants ont pu y répondre. La vida en Costa Rica es peligrosa a causa de los animales salvajes. Sí, por supuesto. Cuando los seres humanos invaden el hábitat de los animales salvajes. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir eu l'occasion de partager mon expérience de 5 ans au Costa Rica avec 3 groupes de 4e. C'est un plaisir pour moi de revenir et de pouvoir partager mon expérience de vie. En effet, je suis donc une ancienne étudiante de master que j'ai effectuée au Costa Rica, à l'Université du Costa Rica, un master en gestion de l'environnement et écotourisme. Avant ça, j'ai aussi étudié en Espagne dans le cadre du programme Erasmus, une licence de langue étrangère appliquée. Donc j'ai un parcours assez varié. Ensuite, j'ai pu travailler au Costa Rica suite à mon master. Le Covid est arrivé et j'ai malheureusement perdu mon travail qui était éducatrice en environnement et aussi directrice d'une ONG. Donc aujourd'hui, je suis en France pour revoir ma famille que je n'ai pas vue depuis très longtemps, me ressourcer. Et j'espère y retourner très prochainement au Costa Rica. Donc, entre-temps, j'en ai profité pour pouvoir donner plein d'informations sur ce beau pays incroyable aux étudiants qui étudient l'espagnol. ¿Cuál es la temperatura más baja? La temperatura más baja en Costa Rica, pienso que el promedio podría ser, si es cerca del mar, podría ser entre 24 y 22 grados centígrados. Mi nombre es Keiner González Ruiz. Je m'appelle Keiner González Ruiz et je suis costarricien. Je suis de Puerto Pilón, province Punta Arenas. J'ai étudié pour être économiste de chantier. Je suis très content d'avoir pu présenter ici le Costa Rica pour les étudiants ici en France. C'est une grande expérience et il en est très content. J'espère pouvoir continuer à partager beaucoup de choses du Costa Rica ici en France, de sa flore, de sa faune et de toutes ses richesses. Et de toutes ses autres richesses. Me siento muy contento. Je suis très heureux por estar en Francia d'être ici en France actuellement et de conocer este gran país. Et de pouvoir connaître ce beau pays, su cultura, sa culture, su arquitectura, son architecture, sus comidas deliciosas, sa gastronomie délicieuse. Et j'espère pouvoir aller dans d'autres institutions et centres éducatifs pour pouvoir atteindre plus de personnes pour qu'ils puissent connaître plus le Costa Rica. Muchas gracias. Merci beaucoup.